Bonjour Lydie. Salut. Prête pour l'interview première fois? Ouais. La première fois que tu as commencé à t'intéresser à la musique? Je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Et c'est avec une chanteuse japonaise ou chinoise, je ne me rappelle plus trop, qui s'appelait Kimera et qui faisait du lyrique. Elle faisait des trucs de cantatrice, quoi, mais c'était son maquillage et toute l'exubérance qu'il y avait autour de ça qui était exceptionnelle. Et ton premier casting? Ça devait être en 93 ou 94, quelque chose comme ça. Et Graine de Star Tour passait vers Saint-Étienne et là, je me suis dit, vas-y. J'ai fait 2 jours de casting et puis j'ai chanté devant le public de Graine de Star. L'émission s'est terminée, on m'a donné un petit sac L'Oréal et on m'a dit, super, c'était sympa. Et là, je me suis dit, 2 jours pour ça. Et ça s'est terminé aussi brutalement que ça a commencé. J'ai repris ma place de serveuse dans ce restaurant et puis j'avais des rêves plein la tête. Ça n'a que motivé mon ambition. Et après, donc, il y a eu d'autres castings? Popstar. C'est la première réussite? C'était cette chance-là qui m'a emmenée au succès déjà du groupe, de l'émission et après à mon propre succès. Ça a été le tremplin. Est-ce que t'en as pas marre maintenant de, comment dirais-je, toutes les polémiques qu'il y avait? T'as pas l'impression que les autres membres de L5, en fait, elles font ça pour exister parce que toi, t'existes plus qu'elles après la fin du groupe? Je sais pas comment ça pourra cesser, cette histoire. Et en même temps, j'ai demandé aux filles, il y a pas longtemps, de faire un rendez-vous comme ça, histoire d'en parler, pour pouvoir se dire vraiment ce qu'on a à se dire. Parce que moi, je continuerai ma carrière, quelles que soient les rumeurs ou je pense que ça fait partie du jeu, mais j'ai de l'ambition et je pense pas m'arrêter à cause de tous ces trucs-là, quoi. Tes premiers pas de danseuse? Mes vrais pas de danseuse, je pense qu'ils ont commencé avec L5 quand j'ai rencontré Mia Fry et que là, on a commencé à vraiment savoir ce que c'était la danse, la discipline. Et t'as retrouvé la même rigueur quand après tu as participé à Danse avec les Stars? C'était pire. Ah, c'était pire. Donc Danse avec les Stars, c'est pire que Mia Fry? Ben, dans un sens, Mia Fry m'y a préparé. Je m'attendais un peu à tout ce qui allait se passer là-dedans, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de challenge à réussir à chaque fois à vaincre cette pudeur, cette timidité. Et puis je crois qu'avec les costumes qu'on m'a mis, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a emmené à réaliser tes premiers pas de comédienne? Plus on fait des choses, plus on devient visible pour une partie en fait des gens. Parce qu'on te retrouvera dans Camping? Parce qu'on me retrouvera dans Camping Paradis. Sur et puis, TF1. Ouais, exactement. C'est quoi comme rôle? Je vais mettre des surprises, des petits bémols, parce que j'ai envie que les gens trouvent ça surprenant en fait de m'y voir. Ça va être surprenant alors? J'espère. Et t'as retrouvé un autre participant dans Danse avec les Stars? Laurent Ornac. Ouais, c'était super. C'est ma première scène que j'ai fait avec lui d'ailleurs qui m'a le plus traumatisée. J'ai eu l'impression d'être dans le vif du sujet et puis que tout le monde croyait que j'avais déjà tourné un film alors que j'étais scotchée. Franchement, c'est une équipe bienveillante et j'aurais pas pu mieux commencer. Et en musique, d'autres projets? Ben, mon prochain album qui sort, mon album s'appelle Musique et le prochain single, Comme un homme. Comme un homme, qui sort au mois de mai. Au mois de mai. Avant de te quitter, on a un petit rituel que tu dessines, tu te dessines, fasse ton autoportrait. Ah. Tu commences par quoi? Mes cheveux. Je vais faire un bras avec plein de bracelets. Ça, c'est un bras. Oui, j'en doutais pas. Ça y ressemblait. Et voilà, j'ai du mal à faire mon visage. Et sérieux, je ne sais pas dessiner. Je pense que c'est de loin le plus ressemblant dessin qu'on ait eu. J'adore. C'est vrai ou pas? Et franchement. C'est la manière dont tu te vois. Les cheveux, le pisse. Et le sourire. C'est une caricature. Je termine avec le selfie si t'es OK? Allez. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec bonheur, sourire et plaisir, Louisie.